Je sais pas que je fais ici. Moi, là, je sais que j'ai un problème, là, mais je suis sûr que je suis capable de le régler tout seul. Je suis pas... Infirme! Oui, je suis infirme. Pas grave, ça. Je suis capable de me prendre en main. Ah, tu sais, je suis conscient là, que j'ai un problème, mais... Le gars, là, j'ai pas sauté dessus pour rien. Là. Mais c'est pas levé un matin, moi, en me disant... Mais ça, je ferais des traces de pneus dans la face du camelot aujourd'hui. J'aime ça comment tu dis ça. Je me suis pas levé un matin. J'ai pas sauté dessus. C'est bon. T'as un problème d'agressivité. C'est pas grave, ça. Tu casses des gueules. Ça peut même être un don. Tout est une question de contrôler cette agressivité-là. Puis en plus, dans ton cas, ça devrait pas être si difficile que ça. On va être honnête, là. On va se dire les vraies affaires. T'as pas de jambes. Mais t'as les jambes, mais ils marchent pas. Ben, c'est pas qu'ils marchent pas, mais ils fonctionnent pas. Tes jambes fonctionnent pas. Donc, quand tu sautes une coche, t'as juste le haut de ton corps à contrôler. C'est un demi-problème. Faut juste que tu fasses de l'anger management de chess. Puis en plus, si t'as vraiment un problème de contrôle, ça fait longtemps que t'aurais une chaise roulante avec un petit bras, là, t'sais. T'sais, là, dit, on s'en va à droite. Dit, on s'en va à gauche. Oh! Il y a de la merde, commence à se brasser. On décollisse. Non! Moi, je pense que ton problème d'agressivité, ça cache autre chose. Quelque chose de plus profond que tu veux pas me dire. Ouais, peut-être. Peut-être c'est plus profond, ouais. J'avoue que depuis un petit bout, je me sens comme... Impuissant. Faut pas avoir peur des mots, impuissant. T'as le général Dallard qui est plus capable de se mettre au garde-à-vous. T'as le syndrome du gland fainéant, t'as le popsicle qui a fondu. Non, ça va, ça va. Est-ce que tu savais que statistiquement, c'est la cause numéro un d'agressivité chez les hommes, les problèmes érectiles? J'ai d'ailleurs un chapitre complet là-dessus dans mon livre qui s'intitule « Les élections, une fois aux quatre ans, c'est excellent. Les érections, c'est différent. » OK, non, mais moi, j'ai pas de... Pas de problème avec ça. Je suis pas impuissant, pas par en tout. Moi, j'ai paralysé des jambes, c'est tout. Le reste, ça marche. Ça marche. J'aime ça, tu fais ça. Ça marche tout le temps? Ça marche vraiment? Ouais. Jamais eu de problème? Non. Jamais? Non. Fait que ça marche, ça fonctionne, t'es sûr ça marche? Oh, oui. Tout le temps? Oui. Là, m'est arrivé une petite fois. Là. Non. Tu sais que c'était... Non! C'est mi-croquant parce que t'étais fatigué? Non! Fatigué, à moitié sous, avec une fille pas bonne qui met trop dedans, pas assez de salive? OK. Peut-être que sous-mort, bien, bien fatigué, avec une fille qui l'a pas pendant tout. OK, peut-être. Bon! As-tu des loisirs? Quelque chose qui te passionne? Oui. Je m'entraîne. Hmm? Mais là, on vient-tu de passer 10 minutes à s'ostiner, me faire dire que j'ai déjà bandé mou, puis là, on parle de d'autres choses? Est-ce que tu penses vraiment que l'entraînement va faire repousser tes jambes? Hey, t'es un estime malade! Je sais que mes jambes me repousseront pas, là. Mais moi, je passe la journée assis dans une chaise, là. Faut que je bouge à un moment donné, faut que je fasse du sport. Du sport? Avoir des fourmis dans les jambes, tu le sais que c'est pas un sport, tu le sais, hein? Hey, tu fais-tu exprès, là? OK. C'est un test. C'est un test pour voir jusqu'où tu peux me pousser avant que je me choque, c'est ça? Je peux te pousser jusqu'aux escaliers, si tu veux. Tu veux faire du sport, tu veux faire des Jeux paralympiques, j'imagine, ce genre d'affaires-là. Mm-hmm. J'aime autant te le dire, là, entre amis, parce qu'il y a une belle chimie qui s'installe, je vais te le dire honnêtement. Nous autres, le monde normal, regarder du monde faire des courses en chaise roulante, ça nous intéresse pas. Moi, le seul handicapé que je veux voir faire 800 mètres, c'est si tu me montres la reprise de son accident de char au ralenti sur YouTube. Non. Toi, je vais te conseiller quelque chose que j'ai jamais conseillé à personne avant. Je te conseillerais de développer des personnalités multiples. Ça va compenser le fait que t'es un demi-homme. C'était bien aussi, toi, là. Là, moi, là, depuis tantôt que j'en prends, puis j'en prends, là. Il y a des crises de limite, là. Pas venir ici de me faire insulter, moi, t'as-tu compris? Je t'aime beaucoup. Parce que t'es un petit peu comme Hitler. T'as une belle fougue, mais t'as de la misère à canaliser dans quelque chose de positif. Hey, faire menacer par un paraplégique, j'ai des frissons. Voyons donc, un toréador aveugle serait capable de t'éviter. Je veux pas te péter ta ballonne, mon ami, là, mais ça tient pas debout de ton affaire. Ça tient pas debout de ton affaire. Hey, c'est quoi ton esti de problème, toi? Problème, j'en ai pas de problème, mon gars. Tiens, hop, oh, hey, je suis debout. Oh, oh, oh. Sur mes deux jambes, t'as pas de... Hein? J'en ai pas de problème. Oh, oh. Regarde, si j'ai des problèmes, j'ai pas de problème, moi. Oh!